Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Atelier du Jardin. Alors aujourd'hui, on va apprendre à entretenir un massif. Mais ça peut être un massif d'arbustes comme ici, ça peut être un massif de rosiers, un massif de fleurs comme vous allez planter par exemple des annuels. Alors très souvent, on est embêté par plusieurs choses. Alors dans notre massif, on est embêté par des repousses, on est embêté par des adventices, donc les mauvaises herbes. Et puis on a aussi ce phénomène où le gazon va empiéter sur le massif. Et c'est toujours délicat à faire, c'est toujours délicat, on se pose des questions, on se dit comment on va faire. Alors il y a des techniques, on peut mettre un petit fil pavé, une petite bordure, mais très naturellement on peut le faire d'une façon simple avec une bêche. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment on va réaliser cette découpe. Et vous verrez qu'à la fin, en finalité, ça restera beau, propre. Et puis l'avantage, c'est que vous allez pouvoir suivre le gazon et tondre sans pratiquement avoir besoin d'une débroussailleuse. Alors je vais commencer. Alors dans un premier temps, on va enlever un petit peu, vous voyez, tout ce qui est déchets. Alors vous avez des feuilles, vous avez les anciens paillages aussi. Alors devant moi, vous voyez, voilà, pour me faire de la place. Et ensuite, je vais délimiter mon massif. Alors, le but, ce n'est pas de prendre 15 cm, ce n'est pas non plus de pas trop en prendre, mais il va falloir qu'on redécoupe, qu'on finalise ce petit contour. Alors, vous voyez, j'ai tout simplement une bêche. Une bêche qui va servir à découper. Alors, la technique est la suivante. Je vais utiliser que cette partie de la bêche. Et je vais fermement découper le bord de mon massif. Alors bien sûr, j'enlèverai les adventices, j'enlèverai le gazon aussi ensuite. Et pour parfaire le tout, on va également reprendre la bêche comme ceci pour bien redécouper, de façon à ce que votre découpe soit parfaitement droite. Alors maintenant qu'on a bien découpé le sol, et vous voyez, cette bordure est très propre, on peut également, si vous voulez, travailler un petit peu le sol. Alors, moi, je peux le travailler avec la bêche comme ceci, vous voyez, parce que j'ai la bêche, mais je peux prendre aussi une griffe, vous voyez. Alors, pourquoi je fais ça? Je vais faire ça pour aérer. Pourquoi? Parce que nos arbustes, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin donc de retenir l'eau. Et quand la pluie va tomber, l'eau va pénétrer plus facilement dans le sol. Une fois que votre sol est bien travaillé, je vais reprolonger, voilà, ma découpe. On voit bien la différence maintenant entre la partie qui n'est pas faite et cette partie-là. Pour vous faciliter la tâche, vous allez pouvoir aussi mettre du paillage, par exemple. Alors le paillage va garder l'humidité, il a un rôle esthétique. Et il va empêcher également les adventices de pousser plus facilement. Voilà. Alors pour la mise en place du paillage, c'est relativement simple. Alors vous voyez le paillage, alors on en a déjà mis nous un petit peu l'année dernière, mais il se décompose quand même assez facilement. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 10 cm sans problème. Alors, votre découpe est toujours marquée quand même. Il faut bien la remonter avec votre bêche comme ceci, vous voyez. Et pour ce printemps, eh bien, vous n'aurez plus qu'à mettre une roue de la tondeuse ici. À faire attention de ne pas, bien sûr, avaler les copeaux avec la tondeuse. Et puis, vous allez pouvoir tondre dès le début sans avoir à passer le rotophile. Bien, alors pour conclure, je vais quand même vous redire qu'il faut prendre votre bêche comme ceci et non pas faire comme ça, comme tout le monde fait. Je vous ai donné la bonne technique. Vous n'avez plus qu'à essayer et vous allez avoir maintenant des massifs qui sont super bien délimités. Alors, c'est sûr, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à arriver à faire une belle découpe, mais vous y arriverez. Voilà, et bien à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin et à bientôt.